Et puis, nous ici, dans Boulevard des Planches, avec Louis-Arnaud L'Herbier, le producteur réalisateur de cette émission, on souhaite donner la chance aussi à de jeunes talents, des gens qui arrivent dans ce métier et qui ont besoin de s'exprimer. Alors, on a un garçon, vous le connaissez évidemment, puisqu'il a participé à la Starac en 2007, l'occasion pour lui de rencontrer tout un tas d'idoles et de faire des duos avec ses chanteurs préférés. Je pense à Calogero, je pense à Céline Dion, je pense à Charles Aznavour, je pense à Tokyo Hotel, à Tina Arena, beaucoup, beaucoup d'artistes. Il a eu cette chance, en tout cas, de les accompagner dans le cadre de la Starac 7 en 2007. Et là, il est avec nous ce soir parce qu'il sort, bien sûr, son premier album. Je vous demande de faire un triomphe à Jérémy Chaperon. Une fille a sauté sur la terre, ne plus jamais fermer les paupières. On se dit tourne, accélère, on est vivant, pourquoi le taire? Elle nous donne ensemble, nous tient au bout d'un fil qui le tient. Jamais fermer les paupières. On se dit tout, on accélère. On est vivant, pourquoi le faire? Et encore sauter sur la terre. Ne plus jamais fermer les paupières. On se dit tout, on accélère. On est vivant, pourquoi le faire? Une vie à percer le mystère. Et danser au milieu des cratères, balancer ses crânes aux enchères, vivre une vie moins solitaire. La, 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 balancer ses crânes aux enchères, vivre une vie moins solitaire. Sauter sur la terre, Jérémy Chaperon. Viens nous rejoindre, Jérémy. Sauter sur la terre. Voilà l'extrait, ce single. C'est toujours un événement, Jérémy. Oui, la sortie d'un single, c'est toujours quelque chose de génial. Surtout que j'ai pu sortir le premier single, c'était le Paradis Blanc. C'est une reprise de Michel Berger. De Michel Berger, absolument. Et là, ce deuxième single, c'est un peu comme un premier single, puisque c'est un single que j'ai composé. Oui. Avec un super texte de David Natouan, et voilà, c'est toujours un événement. C'est le premier single de ma vie, composé par mes soins. Je l'ai toujours dit, les nouvelles générations ont aussi beaucoup, beaucoup de talent. Et j'en veux pour preuve, parce que je sais que tu as composé, Garou me l'a confié, c'est toi qui as composé son dernier single, Avancé.
Tu vas pas me dire le contraire, c'est bien non, toi. Non, non, c'était on peut quand même applaudir cette merveilleuse chanson de Garou. C'est aussi ce garçon, on lui doit aussi ça. Franck Michael, toi tu n'as pas oublié la sortie de ton premier disque, le 25 septembre 1973. Moi j'ai même la date. C'était déjà une chanson d'amour, c'était « Je ne peux vivre sans toi ». Ah, c'était adressé à une femme ? Déjà ? Oui, déjà. Bon, et tu l'as jamais oublié, c'est la sortie de ce premier disque. Chez RCA Victor, tu te rends compte, la maison de disques de ton idole Elvis Presley. Je pensais que, donc là, j'étais complètement ignorant, je veux dire, parce que dans le métier, on ne connaît pas le métier au début. Ouais. Je pensais qu'en signant chez RCA, j'aurais pu voir Elvis. Eh oui. Parce que RCA, c'était Elvis Presley. La maison d'Elvis Presley, bien sûr, maison de disques. Et puis, t'as jamais pu le rencontrer ? Et puis, non, je suis allé chez lui, bien sûr, avec ses musiciens et tout. Mais il est parti trop tôt ou je suis arrivé trop tard. Eh oui, c'est souvent la vie. Ce que m'a raconté aussi Bobby Solo, parce qu'il rêvait de rencontrer Elvis Presley. Oui. Il lui a envoyé son disque. Le colonel Parker, qui était l'agent d'Elvis Presley, avait trouvé ça formidable aussi. Oui, oui. Et puis, on lui avait demandé 100 000 dollars pour rencontrer Elvis. Et puis on l'avait payé. Alors la maison disque a dit écoutez, nous on n'a pas payé, ben nous non plus. 100 000 dollars pour rencontrer Elvis et faire une photo avec Elvis Presley. Et oui, ça se monnayait déjà à l'époque. On est au milieu des années 60. Comme quoi, c'est comme ça. Tu as des idoles que tu n'as pas rencontrées, Jérémy, que tu aimerais rencontrer. Bon, tu as déjà rencontré tout le monde, Céline Dion, Tokyo Hotel, Calogero. Calogero, oui. Qui t'inspire beaucoup d'ailleurs. Hein. Calogero, oui, j'ai eu la chance, c'est-à-dire qu'on va dire que j'ai des influences françaises et anglo-saxonnes. Et en France, Calogero et Obispo sont des gens qui ont beaucoup composé pour eux et surtout beaucoup pour les autres. Et c'est un peu le parcours auquel j'aspire. Et donc du coup, j'ai eu la chance, dès le premier prime de la Star Academy, de chanter avec Calogero, ce qui pour moi a été... j'avais marqué sur une feuille, il fallait marquer le duo rêvé. J'avais marqué en France, Calogero avec Prendre Racine. On m'appelle 4 jours après, on m'a dit, Jérémy, prochain prime, c'est-à-dire mon premier, le tout premier, tu chanteras avec Calogero Prendre Racine. Et là, qu'est-ce qui se passe dans le cœur à ce moment-là ? C'est incompréhensible. Il y a encore 10 jours avant, j'étais chez moi, j'étais en train de composer 2-3 trucs, je galérais un peu à vouloir faire ma musique, et en plus j'apprends que c'était quelque chose, que Calogero avait vu le reportage, et que Calogero devait venir 2 ou 3 primes après, avait décidé de venir à ce prime-là, et avait demandé de chanter cette chanson et avec là, moi. Et là, c'est un événement pour toi. Ouais, vraiment. Ça compte, t'as pas oublié cet instant. Ah non, c'est surtout que c'est mon premier duo. Comme tu n'oublieras pas cet instant aussi, là, ce soir, c'est-à-dire que j'espère que le théâtre, la scène, en tout cas, du théâtre du Casino Barrière va te porter chance. Tu sais que beaucoup d'artistes sont passés ici sur cette scène depuis 1912, et même toi maintenant, Jérémy Chaperon.